Alors, du côté de la diversité culturelle, c'est une valeur qui est quand même internationalement maintenant bien intégrée, mais qui est intégrée intellectuellement, mais qui n'est pas intégrée culturellement. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, la mondialisation est en train de faire un rouleau compresseur de la diversité culturelle. Vous allez partout dans le monde, vous trouvez la même marque, vous dites, bon, qu'est-ce qui reste de la diversité culturelle dans 50 ans? C'est une grosse question. Alors, il y a des lieux, hein, bon, l'alimentation par exemple, hein, ça c'est quelque chose, la musique, l'art et compagnie, mais les modes de vie. Alors, il y a plusieurs thèses, hein, mais bon, des gens qui connaissent bien le Japon disent que le Japon, par exemple, est un lieu qui à la fois intègre bien la modernité, tout en restant profondément japonais. Oui, à certains égards, ce qui se passe avec l'islam, on en pense tout ce qu'il veut. Il y a de tout. Hein. Mais vous pouvez aussi interpréter ça comme une résistance d'une culture qui se dit, enfin, on a aussi notre richesse culturelle, on n'a pas tout à plein devant l'Occident. Donc, si vous voulez, cette résistance à la modernité dans l'islam, c'est aussi une forme de refus de se soumettre à une culture dominante qui a ses qualités et ses défauts. Alors bon, entre l'Arabie saoudite, le Maroc, l'Égypte ou la Tunisie, on est dans des modèles complètement différents. C'est pour ça qu'il faut faire attention à y avoir une analyse un peu. Mais donc, même sur le plan de la diversité culturelle, les choses changent, même si les forces économiques, ce qui me paraît assez fort, c'est une sorte d'aveuglement des forces économiques. Le politique est plus sensible, mais au niveau économique, on a l'impression de rouleau compresseur. Et là, donc sur ce plan-là, ce qui fait que je ne suis pas hyper optimiste, c'est le rapport au temps. Les échéances sont terribles. Bon, si on avait un siècle, ben on n'a pas un siècle. On est déjà en retard. Hein. Donc je parle ici de la problématique écologique. La problématique de la diversité culturelle, je serais moins pessimiste dans le sens, si vous voulez, que bon, il y a toujours eu des quartiers où on vit, il y a toujours des quartiers internationaux où on vit. Ben, ce qui fait la culture du monde, c'est pas ce qui se fait à la rue Neuve, contrairement à ce qu'on croit. Je veux dire, une culture, c'est beaucoup plus large que ça. Donc je veux dire, là, il y a une sorte de culture internationale un peu, qui a aussi sa richesse d'ailleurs, d'une certaine manière, qui s'impose un peu partout. Je ne crois pas que ça empêchera les gens de vivre et de garder un enracinement culturel. Par contre, la question écologique, il y a une urgence. Il y a une urgence à laquelle les systèmes sociaux ne sont pas préparés, je dirais. On ne change pas les sociétés en... Et à la limite, quand vous voyez la manière dont ça bouge, et donc, si vous comparez la situation actuelle à ce qui se passait il y a 40 ans, il y a quand même des choses qui ont changé, il y a un mouvement qui... Mais le problème, c'est l'urgence. C'est l'urgence dans le rapport au climat, c'est l'urgence dans le rapport à la biodiversité. Donc là, je veux dire, c'est un souci. Ah oui, c'est l'urgence qui fait que... Bon, on pourrait dire Trump, on s'en fout, c'est 4-5 ans. 4-5 ans, dans la situation actuelle, ça compte. Voilà. Mais heureusement, il y a... Les États-Unis, c'est pas Trump, vous savez, il y a plein d'États qui sont très mobilisés sur la question écologique à l'intérieur des États-Unis. Donc il faut aussi ne pas trop grossir le problème. Mais je veux dire qu'on s'attendrait à une mobilisation générale autrement déterminée étant donné l'urgence. Voilà. Et comment expliquez-vous cette mobilisation de départ? Enfin, parce qu'il y a toujours la même chose. D'une part, il y a une inertie sociale, mais d'autre part, il y a des intérêts. Écoutez des mecs comme... Je ne parlais même pas de Trump, parce que bon, mais parler de Bush Junior. J'étais aux États-Unis en 2001, la première année où il était là. Bon, les gars discutaient de je ne sais plus quoi, bon, moi je mangeais ma tartine et puis je me faisais... Parce que c'était inintéressant, il parlait d'une politique, alors que Bush était là, il n'avait pas signé les accords de Kyoto. Il faut savoir, bon, un petit peu d'histoire, les accords de Kyoto ont été paraphés par Clinton. Le second Clinton, c'était Al Gore, qui était un militant écologique et qui pensait et qui s'est fait, donc, hein, qui était sur le fil, si vous voulez, c'est Bush qui est passé. Bon. Moi je dis à ses collègues américains, je leur dis qu'est-ce que tu veux, je discute de vos histoires de... Vous ne discutez pas des choses importantes, je dis vous êtes Bush là qui refuse de signer les accords de Kyoto, et ça ne réinsistez pas. Je dis ça comme ça. Mais il me regarde avec gentillesse et il me dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Bush a été placé là, avec tout le fric des multinationales. L'objectif premier, c'était casser Kyoto. On a perdu, on a perdu. Tu trouveras pas dans cette université une personne qui votait pour Bush. Donc, déjà, lorsque vous allez aux États-Unis, c'est effarant. Les choses sont claires. Bush a nommé comme responsable. Je parle de Bush, c'est plus facile que de Trump, c'est pas la mode. Mais c'est plus significatif du fonctionnement. Bush a nommé comme responsable des affaires écologiques un expert qui monte d'Exxon. Exxon, donc le grand producteur de pétrole. Donc pourquoi ça ne bouge pas? La vie sociale est faite de rapports de force. Il faut savoir ça. Je ne vous apprends rien. C'est très marxiste, je ne suis pas toujours d'accord avec Marx, vous voyez, mais les rapports de force de la vie sociale, ça crève les yeux. Bon, la vie sociale est faite de rapports de force, et il y a des lieux où les grosses puissances financières, écoutez, le climato-scepticisme a été financé par Bush. Il y a des gens qui sont payés, même pour mentir, on s'en fout, mais société le doute. Donc on est dans un rapport de force, effectivement, et dans ce sens-là, la société civile, moi, me paraît plus consciente et plus avancée au niveau de la prise de conscience des choses que à certains égards, les classes dirigeantes sont très... Qui c'est qui dirige le monde? Ben, c'est les gens qui ont du fric. Hein. Et le fric... le fric ne souhaite une chose, se faire des petits. Le fric ne voit pas à long terme. Ben, voilà, c'est une... Me semble-t-il, il y a... Donc l'important en termes individuels, c'est de s'inscrire dans un rapport de force et qui aille dans le bon sens. Hein. Donc là, enfin, voilà. Merci. Des questions? Oui. Juste, je ne connais pas assez bien, mais vous parlez de crise de la modernité. Est-ce que cette modernité, pour vous, elle est universelle? C'est-à-dire que les lumières, etc., est-ce que c'est pas... Vous parlez d'anthropocentrisme, est-ce que c'est pas un occidentalocentrisme de... Ah, écoutez, c'est pour ça que je parle de la dissociation. Hein, c'est une question très difficile. Parce que, écoutez, je peux voir, c'est une question très concrète. Quand j'ai eu des contacts avec des Tunisiens à un moment donné, et j'avais fait connaissance de l'ambassadeur de Tunisie en Belgique. Notre ambassadeur plutôt belge en Tunisie. Bah, c'est un des rares ambassadeurs à avoir fait un rapport négatif sur Ben Ali. Ben Ali, qui est l'ancien dictateur, qui, vous savez, la ministre française, elle avait lui envoyé des flics, c'est un... Mais l'ambassadeur belge, il a fait un rapport très négatif sur Ben Ali, en disant qu'il n'y avait pas de respect des droits de l'homme. Écoutez, la première fois que j'étais en Tunisie, c'était sous Ben Ali. J'étais dans un centre de recherche très particulier, qui était en dehors de l'université. Je ne connaissais pas, j'y allais envoyé par Wallonie Bruxelles International. Le gars qui m'a accueilli m'a dit: monsieur, vous êtes dans le seul lieu où on parle librement en Tunisie. Les universités avaient besoin du cachet du ministre de l'Intérieur pour publier n'importe quoi. Vous vous rendez compte? C'était une société complètement cadenassée. Donc l'ambassadeur avait vu ça. Le ministre de l'époque avait fait un rapport, donc à Ben Ali, négatif. Au nom des droits de l'homme. Ben Ali lui a répondu, typiquement, de néocolonialisme. C'est votre question. C'est votre question. Alors, c'est une question très difficile, mais moi, au niveau le plus fondamental, pourquoi? Ben, écoutez, se donner des valeurs auxquelles articuler la réflexion pour construire un monde, ça c'est typiquement occidental. Hein. C'est-à-dire, avoir un temps linéaire, par exemple. Bon, alors, je sais bien que il y a des cultures qui n'ont pas le temps linéaire. Donc, qui vivent leur vie, hein, si vous prenez des pygmées, bon, c'est des gens qui vivent leur vie comme un retour du temps continuellement. Enfin, le cycle de l'année, c'est le cycle de la vie, et c'est le cycle du cosmos. Bon, c'est clair, si vous voulez, et c'est en cela. Mais alors là, mais j'admets que moi je suis très marqué par la science, mais la science a quand même un statut qui me semble particulier, en ce sens que on a quand même là un discours qui montre qui répond à un concept de vérité adéquation, en tout cas. Il n'y a plus personne de raisonnable qui peut défendre l'idée que la Terre est le centre de l'univers et que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. La théorie de l'évolution biologique, on est dans le même registre. Donc autrement dit, si vous voulez, ça veut dire que quelque part, au moins par la science, la modernité a montré que la rationalité pouvait être porteuse d'un rapport et d'un apport à la vérité qui était pertinent. Alors, d'autre part, si vous les prenez les droits de l'homme, alors c'est vrai que les droits de l'homme vont à l'encontre de toute une série de... Mais en même temps, il y a quand même plus beaucoup de gouvernements qui osent des formes d'esclavage. Bon, c'est pas rien, il y a 150 ans, la moitié des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lincoln de Spielberg, un film remarquable. Il faut voir ce film. Moi, oui, j'ai beaucoup allé au cinéma, mais il y a moyen d'en apprendre au cinéma. Bon, enfin, bon, mais donc, si vous voulez. Alors, c'est vrai que c'est une forme de néocolonialisme de dire que l'esclavage est un mal. Mais je constate que si vous faites le tour du monde, il n'y a plus de gouvernement qui ose dire que l'esclavage est une bonne chose. Et même si vous creusez les droits de l'homme, la règle d'or, hein, ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or en « fais à ton prochain ce que tu souhaiterais qu'on te fasse à toi-même ». Mais vous trouvez ça dans toutes les cultures. Contrairement à ce qu'on croit, vous trouvez ça dans toutes les cultures. Le problème, c'est que dans toutes les cultures, le prochain, c'est ton petit copain, et que l'étranger, c'est un barbare. L'étranger n'est pas un prochain. Hein. Ben, à la limite, dans les problématiques des immigrés, on a l'impression que c'est la même chose en Belgique. Hein. Donc, la problématique moderne, entre guillemets, fait du prochain un universel. Mais cette idée que chaque être humain, chaque semblable doit être respecté, vous trouvez ça quasi dans toutes les cultures. Mais dans la plupart des cultures, le semblable, c'est membre du clan. Hein, donc là, il y a quand même... Mais n'empêche. Donc si vous voulez même présenter les droits de l'homme comme une sorte de valeur importée et imposée à tous, les droits de l'homme ne sont contre-intuitifs dans peu de cultures. L'égalité, c'est un problème. Ah bon, c'est tout un débat. Mais l'avantage de la thèse de Habermas, c'est qu'au fond, si vous rentrez en contact avec une culture qui considère chaque individu de manière absolue, est-ce que c'est pas tentant pour toutes les cultures, hein? C'est l'idée, c'est que si on discute, peut-être bien qu'il y a moyen de confondre. Regardez tout le débat là, de Gandhi autour des castes. Oh, c'est un système qui est encore terrible. Hein, donc, vous voyez, donc l'idée d'un Habermas, c'est dire précisément la présupposition moderne que tout être humain est doué de raison. C'est l'idée, ben, discutons. Faisons des discussions interculturelles. Et mettons-nous d'accord sur des valeurs communes. On ne se met pas d'accord simplement de manière conventionnelle, on fait... Vous habitez là, vous avez une sorte de communautarisme où chacun dans son coin vit comme il veut. Non, mais l'idée d'un Habermas, c'est qu'il reste une visée d'un universel, mais de valeurs communes, mais qui préserve les modes de vie de chacun, qui préserve les conceptions de la vie bonne. Donc c'est une articulation un peu complexe, mais qui me paraît... Mais c'est vrai que l'objection que vous avez est immédiate, c'est-à-dire effectivement, c'est encore un projet moderne. La modernité, c'est encore les Occidentaux qui viennent imposer leur truc. Et la dernière fois, j'ai fait une présentation là-dessus à Bruxelles il y a quelques semaines, je me suis fait accrocher à la sortie, précisément par une dame congolaise Enfin, je ne sais pas si c'était congolais, peut-être c'est dégueulasse, je ne sais pas voir la différence. Enfin, disons, c'était une personne africaine qui disait, bon, enfin, quoi, vous ne citez même pas un philosophe africain, qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, bon, non, mais effectivement, c'est la question. Mais le problème, c'est que la question est tellement moderne. Le pygmée, il ne s'interroge pas sur l'avenir de l'humanité, il ne s'interroge pas sur son avenir. Le pygmée, il ne se perçoit pas qu'il y a un avenir. Bon, je ne suis pas un pygmée, mais bon, d'une manière plus générale, c'est clair, c'est quand même assez typique d'attitude moderne de se dire qu'est-ce qui se passe en 50 ans, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, pour d'avoir ce concept d'une histoire qui dépend de nous. C'est un concept moderne. Mais c'est la mise en œuvre d'un concept moderne qui se veut inclusif, si vous voulez, qui se veut... Mais je ne sais pas sans ambiguïté. Et juste pour l'anecdote, j'avais entendu ça, mais vous le confirmez, c'est que dans la déclaration des droits de l'homme, le simple terme d'homme n'était pas utilisé pour l'esclave. Donc on avait établi des règles qui protégeaient les hommes, mais les esclaves n'étaient pas inclus dans... Enfin, je parle de la première déclaration hein, de 1800... 1789. Enfin, c'est ce que j'ai entendu à une émission. C'est pas complètement impossible parce qu'on est dans un contexte historique différent, mais quand même, la Révolution française s'est accompagnée très très vite de l'abolition de l'esclavage. Oui, mais hein? Il y a une subtilité à ce niveau-là qui montre bien que finalement, c'est qu'est-ce que l'homme la question peut vous venir, ben, qu'est-ce que l'homme, on va donner tous ces droits à l'homme, mais lui, il n'est pas un homme. Et lui, tout ça, c'était le principe. La démocratie athénienne, la démocratie grecque, une démocratie qui s'adressait à peu de gens, hein, et tout reposait sur l'esclavage. Donc mais la problématique, c'est pas impossible dans le texte fondateur de la Révolution française, mais très très vite, la Révolution française abolit l'esclavage. Et ce qui fait d'ailleurs, si vous prenez Haïti, c'est tout à fait intéressant. Si vous voulez, il y a eu des révoltes d'esclaves, mais dans toutes les colonies. Mais d'où vient que ça ne marchait pas? Ben, la colonie envoyait l'armée. Mais à partir du moment où la France abolit l'esclavage, ben, il y a eu des révoltes d'esclaves en Haïti. Et comme la France n'envoyait pas l'armée, ben, les esclaves étaient beaucoup plus nombreux, avec des gens intelligents en plus. Ben, ils sont devenus ils ont obtenu l'indépendance beaucoup plus vite. Alors mais donc, et ça s'est produit vraiment dans une petite fenêtre d'opportunité, comme on dit maintenant, parce que ça n'a pas duré. Une fois que la Révolution française, mais donc, non, c'est vrai que les droits de l'homme ne disent pas autant. Mais je parle des droits de l'homme de 48, là, il n'y a aucune ambiguïté quand même. Hein. Donc, si vous voulez, bon... mais c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est important d'avoir en tête qu'un absolu peut être le produit de l'histoire. On a l'impression qu'un absolu, par définition, l'absolu n'existe de toute éternité. Eh ben non. Avec Hegel, on peut déjà penser une valeur. Enfin, avec Hegel, ça demanderait beaucoup d'argumentation. Mais enfin, depuis Hegel, à certains égards, on sait que l'absolu peut être le produit de l'histoire. Hein, et que d'une certaine manière, une valeur peut... On peut décider qu'une valeur est absolue, elle devient absolue. Donc, c'est bien là. Il y a une sorte de perception spontanée qu'un constructiviste est un relativiste. Eh bien, si vous placez dans la perspective éthique de la construction d'un système de valeurs, vous pouvez décider que ce système de valeurs est absolu. Et donc si vous voulez, moi il me semble qu'il nous faut une posture qui soit intermédiaire entre le dogmatisme de ceux qui savent tout et d'autre part une posture relativiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. Et donc il me semble que la raison reste quand même... Si vous voulez, qu'est-ce qui menait l'organisation du monde au Moyen-Âge? Tout se référait au bon Dieu. Et à partir du moment où Dieu n'est plus une référence commune, c'est une référence insuffisante. Et à certains égards, lorsque vous voyez la modernité, c'est la raison qui se substitue quelque part comme principe d'universalité, que ce soit dans la recherche du bien, que ce soit la recherche de la vérité, ou même... d'une politique bonne, d'une rationalité politique. Et laissez tomber la raison. Alors bien entendu, effectivement, si vous êtes du côté des religieux un peu intégristes, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle, parce qu'une société a besoin de références. Alors ce qu'il y a d'important dans la raison, c'est qu'il y a la présupposition que tout être humain est un être de raison. Par conséquent, vous êtes dans une dynamique qui vise un universel tout en étant censé respecter les êtres humains. Dans cette perspective d'intermédiaire entre un certain relativisme, une certaine diversité, et le fait que nous avons envie de construire quelque chose d'absolu, dans le temps que nous mettons à construire ou à élaborer des valeurs communes, à partager, dans ce temps de discussion dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas toujours un temps de retard par rapport à justement l'évolution de la nature et des technologies qui les menacent finalement? Est-ce que, en fait, finalement, on n'est pas toujours en retard par rapport à notre évolution? Je ne suis pas sûr. J'espère aussi. Hein. Ouais. Non, mais si tu veux, les principes que tu... Si je prends les droits de l'homme, par exemple, le respect des personnes... Oui, j'essaye de... Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Prenez la bioéthique, c'est quoi? Prends un exemple, la bioéthique. Alors, effectivement, bien souvent, c'est après qu'on ait fait des conneries qu'on se dit qu'il ne faut pas qu'on recommence en se donnant un principe. Hein? Donc, dans ce sens-là, il y a une forme d'expérimentation sociale. Ce n'est pas nécessairement du retard. Hein? Je veux dire, il y a une sorte d'expérimentation sociale. Pourquoi je parle de la bioéthique? Quelle est la question, la première question qui a conduit à l'instauration de ce qu'on appelle la bioéthique? C'est l'expérimentation humaine. D'ailleurs, à certains égards, même les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? Pourquoi les droits de l'homme en 1948? les gens se disent, bon, Hitler, c'est quand même... On n'a pas eu les moyens juridiques d'arrêter Hitler. Alors, on n'a pas eu les moyens, comment dire, techniques non plus, mais même juridiques. Donc, on doit tirer les leçons d'un truc pareil. Donc, ce n'est pas par hasard que c'est en 1948 qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. Et d'ailleurs, une sorte de petite fenêtre d'opportunité où tous les pays, après, il y avait une sorte de crise morale après Hitler, après ce qui s'est passé en Allemagne et en Europe, parce qu'il n'y a pas que là. Donc, d'une certaine manière, donc, il y a une sorte de sursaut de l'humanité qui a adopté les droits de l'homme, mais c'est effectivement une manière de tirer des... Alors on arrive trop tard, oui, en l'occurrence on arrive trop tard, mais je pense que c'est une manière de tirer des leçons de l'histoire. Et bien la bioéthique c'est du même ordre d'idée. Pourquoi dans les années 50, mais il y a des dizaines de milliers d'individus qui ont soumis des tests de médicaments à leur insu. C'était des gens dans les prisons, c'était éventuellement dans les hôpitaux psychiatriques ou tout ce que veut, enfin ce sont des êtres humains. Et alors, à un moment donné, et c'est l'Association médicale mondiale, et c'est le monde des juristes, qui ont dit, mais on doit se réunir là-dessus. Alors, que ce soit Kyoto, que ce soit Helsinki, des choses comme ça, il y a toute une série de conventions qui ont été mises au point pour dire, pas question, on arrête toute expérimentation sur l'être humain, enfin, plutôt, on régule l'expérimentation sur l'être humain, consentement éclairé, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc, quand on voit un peu l'évolution de l'humanité, effectivement, il y a une forme d'expérimentation sociale, mais très vite on tire des conclusions et on prend les mesures qui se font. Et si vous prenez les mesures en fonction... Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a une grande déclaration, ben, ça vous donne un point d'appui sur base de quoi vous pouvez construire votre... Et il y a des articulations, bien entendu, des positions de l'Association médicale mondiale aux droits de l'homme. Hein? Donc là, on en est... Je pense qu'il y a une sorte de processus d'élaboration progressive qui effectivement, on anticipe difficilement un problème. On vient souvent pour régler un problème qui s'est déjà posé. Alors c'est vrai, on arrive toujours un tout petit peu en retard, mais je trouve que c'est pas... Moi ça me paraît pas catastrophique, si vous voulez, qu'on tire les leçons, qu'on essaye de tirer les leçons de l'histoire et prendre donc une mesure pour que ça ne se reproduise pas assez vite. Je dirais que c'est... Alors ma préoccupation, c'est l'urgence en termes écologiques. C'est parce que là, effectivement, ça va vite et qu'il y a une inertie énorme. Même si on arrête maintenant la production de CO2, le climat il va continuer à monter avant de... Donc, il y a une inertie du système qui demande des réponses d'urgence et que les sociétés ne sont pas habituées aux réponses d'urgence. Je vais revenir à cette question de la crise écologique. Vous venez de dire, nous devons savoir si vous voyez, une perspective de sortir de ce nœud, sachant qu'en effet, toutes nos sociétés sont pilotées par le grand capital, qui ne cherche à s'auto-nourrir et à s'entretenir, et on a un problème de contrainte de temps qui apparemment est très limité dans les scientifiques. Moi, je ne vois pas du tout comment est-ce qu'on fait pour en sortir de ce nœud, ça semble complètement fermé. Ben, oui et non, parce que si vous voulez, le moment c'est le rapport au temps. Hein. C'est clair qu'on sera. Mais même est quand même en train de se mettre en place un certain type de fonctionnement social dans la plupart des régions, où par exemple, le pétrole on en a encore besoin, mais c'est clair qu'on va en avoir de moins en moins besoin. Donc d'une certaine manière, l'aveuglement ne paye pas. L'aveuglement paye à court terme. Ça oui. Donc si vous voulez, des Trump et des Bush, c'est supportable à court terme, mais à moyen. Même Trump, hein, il y a quand même eu Katrina qui a foutu toute la Louisiane dans l'air. C'est quand même des ouragans d'une puissance et ça va. Donc d'une certaine manière, il y a quand même un principe de réalité qui fera que le déni des puissances financières se retournera contre elles quelque part. Ils vont rouler leur intérêt et aussi, parce qu'il y a bien entendu des intérêts économiques énormes, y compris dans la prise au sérieux de la... Donc il y a un accrochage à l'ancien système qui est condamné à relativement moyen terme. Donc là, et c'est en cela, regardez ce qui s'est... Même les Chinois, comment interpréter les Chinois ici? Ils ne sont pas stupides. Écoutez... depuis 30 ans, ils travaillent comme des fous pour essayer de rapporter, et on se fout pas mal de l'écologie. Mais si avant, Et on s'entend très bien qu'ils ne tiendront pas le coup longtemps comme ça. Moi, j'étais une fois à Pékin, j'ai pas vu le soleil pendant 15 jours. Mais dans un smoke, mais c'est cafardeux. C'est même pas... Ici, en Belgique, on a des gris qui sont des gris. Mais là c'est pas... C'est un cafardeux incroyable. C'est quelque chose d'un peu jaunâtre, comme ça. Mais je me dis, bon, c'est un nuage de pollution, quoi. Bon, un nuage de pollution. Mais les Chinois ne sont pas stupides. Ils savent bien qu'il faudra qu'ils prennent ça au sérieux à un moment donné. Mais ils se sont dit qu'il fallait qu'ils rattrapent, qu'il fallait qu'ils démarrent, qu'ils mettent des machines en route, et puis qu'on y joue après. Bon, c'est bien. Mais c'est pas un aveuglement sur le long terme. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une stratégie très pensée, et que maintenant, bon, bah, ils sont suffisamment avancés, ils ont, bon, on peut commencer à prendre au sérieux l'écologie, on est suffisamment avancé indépendant. Bon, c'est une stratégie qui se paye cher au niveau du CO2, mais c'est une stratégie, quelque part, qui prend au sérieux la question, qui le traite un peu à leur manière, mais qui, et c'est pour ça que, moi, le fait que les Chinois rejoignent la COP21, c'est un grand moment. Et Bush et Trump est complètement isolé sur ce plan-là. L'impact sur le dynamisme de la COP21 avec des... Trump, bah, voilà, il est complètement... Ça a eu au contraire une sorte de source. Donc vous voyez, là, il y a la... Mais c'est vrai que c'est regrettable en tout cas que les puissances financières et que ne s'y mettent pas plus de manière radicale, ça c'est clair. Malheureusement. Oui, je pense, j'ajouterais dans la mesure où elle touche les puissants. Un des problèmes, c'est les grandes catastrophes, dans certaines perspectives, on touche, d'abord touché, seront encore bien pires, plus catastrophiques précisément, là où ils ne sont pas préparés, et là où il y a des... Bon, les Américains, c'est des bombes, vous trouvez plus ça dans l'Océanien que dans l'Atlantique Nord. Hein. Donc on est aussi dans les zones tempérées, dans des zones... enfin bon, sur la pêche et le jeu, mais sur le plan des... On est peut-être... c'est peut-être encore les gens les plus vulnérables qui sont, d'une manière générale, qui seront encore le plus soumis aux problèmes. Quoi. Donc là... Ouais. Oui, c'est un comble, effectivement. Mais du coup, il y aura des migrations climatiques qui vont mettre en péril le confort de ceux qui sont... Tout à fait. Donc la problématique de la migration, c'est une problématique tout à fait fondamentale, parce que ça me fait commencer pour des gens, que ce soit en termes économiques, que ce soit... Non, effectivement, là, tout à fait. Bon, s'il y a plus de questions, on va peut-être arrêter les débats ici. Si vous souhaitez encore en discuter ou en débattre, n'hésitez pas à... Merci pour votre intervention.